Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé ce qu'il dit être une victoire immense dans la bataille électorale pour la tête de son parti, le parti Likoud. Malgré les charges de corruption qui pèsent contre lui, les résultats partiels relayés par les médias israéliens donnent à Netanyahou 70 à 80% des voix, ce qui lui donnerait une nette avance par rapport à son rival Gideon Saar. Le résultat signifie que Netanyahou dirigera le parti lors des élections générales de mars, qui seront les troisièmes de l'année.